gare de Winson était réservée aux chefs de brigade de circulation, les jeunes gendarmes devant se faire la main sur les motos modernes. Donc, principalement, les chefs de brigade pilotaient ces machines et puis, rarement, les jeunes gendarmes pouvaient piloter ces machines-là. Et après, bien sûr, les mises à la retraite, tout le monde prenait les motos qui étaient en service au sein du corps. Voilà, alors l'Harley Davidson a été en service à la gendarmerie vaudoise jusqu'en 1976. Elle a pris sa retraite principalement suite à un problème mécanique puisqu'elle perdait beaucoup d'huile et elle endommageait les uniformes des gendarmes qui conduisaient ces machines. Dès lors, comme nous n'avions qu'un nettoyage par année des vêtements, eh bien, les gendarmes refusaient à prendre l'Harley Davidson, privilégiant les motos modernes qui ne perdaient pas autant d'huile que les Harley. Elles ont été mises à la retraite principalement à cause de cet état de fait qu'elles perdaient énormément d'huile.